Woo! Double kill. Ok, mort. Ce serait mieux d'aller ramasser les items, s'il vous plaît. Ok, mort. Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Psy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est dimanche et qui dit dimanche dit toute nouvelle vidéo découverte. Alors la semaine dernière il n'y en a pas eu, tout simplement parce que c'est pas que j'avais pas de jeu, c'est tout simplement parce que j'avais envie de prendre mon temps et qu'il y a des jeux en ce moment, j'ai envie de vous présenter mais je suis pas très sûr, voilà, j'ai pas envie de me forcer. Donc du coup voilà, le jeu que je vous présente aujourd'hui c'est un jeu auquel du coup j'ai beaucoup joué la semaine dernière. Je pensais vous en faire une vidéo la semaine dernière mais du coup non, c'est cette semaine, avec du recul. Le jeu que je vais vous présenter dans un instant c'est un jeu qui ne vient pas tout juste de sortir, c'est un jeu qui est sorti il y a maintenant plusieurs mois, mais au tout début, on va pas se cacher, il était clairement dégueulasse. Voilà, on va pas se le cacher. Et là, après avoir reçu un message d'un abonné, le jeu, il est clairement level up. Ils l'ont très clairement bien amélioré, que ce soit au niveau du graphisme, au niveau de tout. Voilà, le jeu en général, maintenant, c'est un jeu complet, je trouve. C'est un jeu de tir à la troisième personne. Ça peut être du 3 contre 3, du 6 contre 6. C'est des matchs de 6 minutes grand maximum, ça peut être du 3 minutes. Il y a des matchs avec des runes, il y a des matchs en one shot, c'est-à-dire que c'est en un seul timer. Vous avez des guilds, vous avez plein de trucs, c'est un jeu qui est vraiment complet. Je tiens juste à préciser une seule chose. Merci de ne pas le comparer à Call of Duty Mobile parce que ça n'a rien à voir et sachez que cette licence de ce jeu est sortie avant Call of Duty Mobile, ok? Donc rentrez-le bien dans votre tête. Parce que sinon, tu vas pas le faire. Et non, les petits potes, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez du jeu que je vais vous présenter juste après. Et puis, bon visionnage, on est parti, let's go. Donc les petits potes, nous voilà sur Battle Prism. Alors, voilà, Battle Prism, c'est un TPS à la troisième personne. C'est un jeu en équipe, il n'y a pas encore de Battle Royale. Peut-être qu'un jour il y en aura. Je vais arrêter de vous présenter l'interface parce que c'est toujours les mêmes maintenant. C'est toujours les mêmes. Dans ce jeu, vous avez différents prismes. Les prismes, c'est un peu les agents. Voilà, donc là, vous avez du Shock, vous avez du VT Eyes, vous avez Vision. Et moi, j'ai débloqué Thunder. Voilà, je viens de la débloquer, je sais pas à quoi elle sert. Chaque personnage a des caractéristiques. Je sais que Vita, lui, c'est une sorte de tank. Et donc du coup, lui, sa capacité, c'est qu'il se met une sorte de protection. Et donc du coup, il a une sorte de bouclier supplémentaire. Donc il a plus de vie. Shock, lui, il lance une grenade tactique. C'est un peu une paralysante et aussi flash. C'est-à-dire que si vous lancez ça sur un mec, le mec, il pourra plus bouger aussi vite et il sera aveuglé. Et vous avez du coup Vision. Vision qui, elle, est un sniper et quand vous lancez sa capacité, ça fait apparaître pendant 3 secondes ou 5, je ne sais plus, les ennemis sur la zone dans laquelle vous avez lancé la grenade. Chaque personnage a des armes. Donc là, comme vous pouvez le voir, du coup, contrôle. Comme vous pouvez voir, du coup, j'ai différents snipers avec Vision. On va équiper celui-ci. Il y a également une arme secondaire du coup. Du coup j'étais avec les armes de base. Mais attendez, pour la vidéo on va passer avec des armes plus puissantes hein. Ah ouais, celle-là fait plus de dommages. On va passer à celle-là. Et du coup chaque arme peut être personnalisée quand vous débloquez des équipements. Donc ça peut être du chargeur, du silencieux, au viseur, à la poignée. Et selon les armes, bah, y a différentes choses à rajouter. Y a des avantages que vous pouvez rajouter sur chaque personnage, mais ça, faut les débloquer. Des avantages, voilà, vitesse plus rapide, préparation au combat, donc ça, c'est le rechargement des armes, il peut être plus rapide. Poumon de fer, enfin voilà. Il y a tout plein de capacités que vous pouvez rajouter sur votre personnage. Donc le jeu il est relativement complet maintenant. Et c'est pour ça que j'aimerais bien l'étudier avec vous. Vous avez un pass d'évolution d'XP. Donc ça voilà, c'est par rapport aux XP. Les XP vous les gagnez en faisant des victoires. Donc voilà, quand vous augmentez des XP, vous débloquez de nouveaux personnages. Donc là il y a Blazed, là il y a Isotope, et là il y a Quarterback. Donc voilà, il y a, ça c'est le pass des XP. Vous avez votre profil. Donc là vous voyez mes 3 agents. Mes prismes préférés, donc du coup vu que c'est les 3 seuls que j'ai, bah c'est les 3 seuls avec lesquels je joue le plus. Mais si admettons demain j'ai tous les prismes, et bah du coup on verra les prismes avec lesquels je joue le plus. Je suis maître actuellement, je suis niveau 9 au niveau des XP. Donc là on peut voir total de bataille, j'en ai fait 20 tout rond. Win, j'ai fait 65%, donc ça va, je suis à plus de 50% de win. Total tué, je suis à 130. Donc là on voit toutes les caractéristiques. La saison en cours, je suis à 2153 trophées, parce que je vais vous montrer juste après l'évolution des trophées. Et la saison précédente, j'étais à 260. Et la saison précédente, c'était à la toute première saison quand le jeu était encore en bêta ouverte. Voilà. Record personnel,
Pour l'instant, j'en ai pas, du coup. Et donc là, on peut voir les médailles les plus reçues. En fait, ils ont mis les plus médailles reçues. En fait, non, c'est les médailles les plus reçues. Donc là, voilà, tir en pleine tête, j'en ai reçu 38. Double meurtre, j'en ai reçu 37. Et mortel, j'en ai reçu 38. Ici, au niveau des médailles, du coup, c'est toutes les médailles que vous pouvez débloquer. Donc voilà, ça. Voilà, ici les médailles, c'est un peu le type de mort que vous faites aux autres. Et vous avez journal de bataille. Donc ça, c'est voilà, on voit mes dernières batailles. On voit que j'ai fait des victoires, deux défaites, une victoire. Voilà, mon ratio de victoire et défaite là, il était pas ouf. Voilà, il était pas ouf. On va pas se cacher, mais il est 9h du matin à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo. Donc voilà. Du coup, on a fait le tour des prises. Mais à l'arsenal, bon bah là, du coup, là vous pouvez retrouver toutes les armes. Et vous voyez également les armes à qui correspond à quel agent. Et là, progrès et récompense. Ah bah vous voyez, là du coup, je peux réclamer une capacité. Vas-y. Équipé. Ok, bah du coup lui il a une capacité supplémentaire, ça fait plaisir. Il y a des skins, hein, bien sûr. Oh là là, il est tellement beau ce skin. Le jeu il est graphiquement correct, hein, très clairement correct. Hein. Voilà, vous avez tout plein de danse. Bon, ça en vrai. Oh non, ils ont mis le dab. Ils ont osé mettre le dab en 2021. Oh, c'est mignon. Voilà, ceci pour vous les petits potes. Ouais, j'ai des gros biscottos. Ok, bon, je me suis un peu éloigné. Du coup, maintenant, je vais vous montrer la route des trophées. Donc là, on peut voir que je suis à 2153 et que mon maximum était à 2500. Donc là, on voit que j'ai perdu 400 trophées. On se demande pourquoi, hein, parce que je joue tôt le matin et j'ai la tête dans les fesses, hein. Voilà. Donc avec le pass, par contre, avec l'évolution des trophées, vous gagnez pas de récompense. Malheureusement, on gagne juste des items, mais on gagne pas de récompense et ça, c'est un peu triste, quoi. Au niveau des modes de jeu, vous avez plein de modes de jeu, sauf que vous en avez en général entre 3 et 4 seulement disponibles. Là, actuellement, vous avez le round récolte, le match à mort en équipe et le mini suprématie. Le round récolte, c'est un peu un match à mort en équipe, sauf qu'il faut aller récupérer l'item des ennemis tués ou bien même l'item de vos coéquipiers. Et c'est l'équipe qui ramasse le plus d'items. Bah, qui remporte. Match à mort en équipe, tout le monde connaît. Et mini suprématie. A savoir que le mode round récolte se joue en 3 rounds. C'est la première équipe qui fait 2 victoires qui remporte. Mini suprématie, c'est en one shot, c'est-à-dire que c'est une seule game de 6 minutes. Et match à mort en équipe également, c'est une seule game de 6 minutes. Mais je pense qu'on va se faire les 3 modes. Mais d'abord, on peut également jouer avec vos potes. Moi je ne sais pas encore comment vous pouvez m'ajouter. Si quelqu'un sait, je n'ai pas encore cherché comment est-ce qu'on pouvait m'ajouter. Là que je vois que j'ai des récompenses à réclamer. J'ai des skins, attends, ne me dis pas que j'ai un skin à réclamer. C'est gratuit. Eh mais attends, on va réclamer directement le skin. Hein. Eh mais attends, j'ai des trucs à réclamer là. Ah non, ok d'accord, ça. Ah non, d'accord, ça c'est le Elite Pass. Ah ouais, ça il faut payer. Non, 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 PlayStation, je mets pas d'argent. Il y a des récompenses gratuites tous les jours. Elle est là, voilà. On va récupérer ça, c'est gratuit. Bon, en vrai, les offres, voilà, il y a du skin. Il y a du skin, mais bon, voilà. Moi, j'ai envie de vous présenter le gameplay. Là, vous avez toutes les ressources. Là, il y a différents types d'abonnements. Là, il y a les offres spéciales. Oh là là, regardez-moi ça, quoi. Juste. La précision du graphisme. Donc, du coup, voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Il y a également une histoire de clan. Donc, là, on peut voir qu'il y a des clans français. Ils ont 1110 trophées. Ah oui, quand même. Bah tiens, ils sont pas beaucoup. Ils sont que 48 et ils ont 1110. Waouh, et ça peut être des clans de 100. Attends, je vais rejoindre le clan. Vas-y. Go tous rejoindre le clan France. Vas-y, let's go les petits potes. Venez. Bon, pour l'instant, il n'y a personne de connecté. Hein. Tu me diras, il est 9h du matin. C'est un peu normal. dans les nouvelles, du coup, bah là, c'est toutes les nouveautés. Donc, dès qu'il y a un patch, dès qu'il y a une nouveauté qui arrive, vous pouvez également rejoindre leur chaîne YouTube qui est juste ici. N'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne YouTube. D'ailleurs, attendez, je vais vous mettre un petit extrait. C'est parti maintenant. Donc voilà le petit extrait des familles. Leur Instagram, par contre, voilà, j'ai pas encore rejoint. Par contre, le Discord, il est dans la description, leur Discord à eux. Et la page Facebook également, allez voir, parce que moi, j'ai pas encore rejoint ce réseau également. Voilà. Moi, principalement, je vais vous montrer les modes de jeu, le graphisme. C'est vraiment des matchs rapides, hein, je vous le dis. Donc là, on va partir en random sur un mode de jeu. Random avec des randoms. J'ai fait beaucoup de randoms dans une phrase, là. Hein.
À savoir qu'il n'y a pas de système casuel. C'est vraiment du match rank à chaque fois que vous jouez. Allez, du coup là c'est mini suprématie. Ok, donc là ça va être de la capture de zone. On va prendre le sniper. Ok, il y a un autre sniper. Là-bas je les connais pas et là c'est une troupe classique. Ok, let's go. Domination mode. Control points to weak. Ok, ça commence. Non, ça commence bien. Ça commence bien. Wow, wow. Wow. En fait, non, je vais arrêter le sniper. On va partir avec choc. Il est simple et efficace, lui. We got ahead. C'est pas moi qui l'ai eu, hein. Ah, j'ai pas vu qu'il était là, lui. Ils sont malades, ils me prennent dans tous les sens. C'est quoi, on va changer de point. Qui est mort. Ah bah oui, du coup ils m'ont localisé parce que l'autre a lancé un truc de détection. Ah là 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 là. Ok, mort. Ok, flash. Ah, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai mis ce clic là. Ok, mort. Oulala, j'ai failli mourir. Ah bah voilà, c'était sûr, il y en avait un dans mon dos. Et du coup on a gagné. Waouh, celle-là ça a été rapide, hein. On a eu 1000 points, ils en ont eu que 261. Pouh, elle a été rapide cette game. Mais ça va, je m'en sors pas très mal, je pense. Ouais, voilà, je suis deuxième de l'équipe. Ça va, je m'en sors pas trop mal. Ça va. Bah du coup on a fait le mode mini prisme. Je vais pouvoir aller le retirer et du coup on va passer combien là? On va passer mettre 2. Let's go, on passe mettre 2. C'est parti. On va aller rush la ranked, hein, bien sûr, hein. Bien sûr. Du coup, on a fait le mode mini prisme. Oh là là, mini suprématie. Du coup, on va se le retirer parce que vous pouvez choisir les modes que vous voulez pas faire, ou vous pouvez choisir uniquement le mode que vous voulez faire. Malheureusement, on peut pas faire les autres modes. Vous voyez, là, il y a plein d'autres modes, mais je peux pas les faire avec vous. Et on peut créer des batailles personnalisées, hein. C'est-à-dire que je peux jouer avec vous contre vous. On peut faire du 1-1, on peut faire des games à beau et tout. Donc ça, c'est relativement cool, hein. Du coup, je vais laisser round récolte et match à mort en équipe. Au niveau de mon prisme, bah, je verrai selon la map, hein. Je verrai selon la map. Là, je vois que j'ai plein d'items à aller récolter à gauche, mais je le ferai plus tard. Allez, c'est parti, let's go. Franchement, les graphismes... Enfin, non, regardez, très clairement. Proportionnellement, les graphismes et ma batterie, eh ben, je suis vraiment surpris parce que le jeu ne consomme rien par rapport à Call of Duty Mobile. Call of Duty Mobile, le jeu, il pompe la batterie, hein, il y va. Celui-ci, j'ai pas envie de lui jeter des fleurs, mais je ressens une différence. Tout à l'heure, j'ai joué pendant 2 heures, enfin tout à l'heure, hier, j'ai joué pendant 2 heures. Ma batterie, elle est descendue, mais pas plus vite que d'habitude. Et ça, franchement, c'était cool. Oula, match à mort en équipe sur cette map. Ah, j'aime pas du tout. Vas-y. Enfin, elle est toute petite. Elle est petite, mais j'aurais peut-être dû prendre le sniper. Ouais, j'avoue, ouais, je suis bête. Parce qu'il y a des grandes longueurs, là. Il y en a forcément qui va arriver ici. Il a voulu taper une emote.
J'ai vu ses petits bras danser là. Regardez les graphismes, comment ils sont beaux. C'est un truc de ouf. Par contre, pourquoi on perd là? C'est pas normal là qu'on perde. Ah, c'était sûr, c'est quelqu'un qui arrive sur moi. Vas-y, on va se tenter le snipe. Faudrait juste pas qu'il y en ait qui arrivent par là. Ah bah j'ai dit quoi. Ouh. Double kill. Ah il m'a eu. Il a été plus fort que moi sur ce coup là. Allez vas-y. Il y en a qui vient de mourir en bas. Ah mais là avec ma petite arme comme ça je peux rien faire. Je peux très clairement rien faire. Par contre mon coéquipier là qui était au sniper avec moi, il va se faire tuer et j'ai pas envie. Oula je... Oula là là. Vas-y régène, régène, régène. On va laisser une petite détection là, regardez. Je suis pas sûr qu'il y ait du monde. Y'a personne. Allez, fais le malin. Je suis trop resté à découvert. Ok, 900. Crac, il est mort. Ok, bien joué. Ok, mort. Oh là, ils étaient deux aussi. Il y a deux snipers en face. C'est waouh. Par contre, ils sont en train de dominer là. Yeah, yeah. J'ai vu un truc arriver là, non? Mais quoi? Mais non, mais c'est une blague. Mais non. Je me suis battu corps et âme là sur cette game là. Il est où là? Ah c'est mort. Ouais c'est mort. Ah ça s'est joué. Ah, rien du tout, je suis dégoûté. Bon bah du coup il y a eu plus fort que nous pour cette game hein. Mais ça va en vrai ça va, j'ai quand même réussi à me démerder. Je suis quand même content tu vois. Je suis quand même content. Est-ce que je vais passer maître 3? Ah bah non du coup vu que j'ai fait une défaite tout simplement je fais du moins 76. Aïe aïe aïe, coup dur pour le joueur français. Du coup on va retirer Mathieu Mort en équipe et on va garder le mode round récolte. Alors c'est un peu pareil sauf que du coup comme je l'ai dit il faut récupérer les items des cadavres. Donc soit celui des ennemis et vous gagnez des points, soit celui de vos coéquipiers, comme ça l'autre équipe en face ne gagne pas le point. Là par contre ce mode là je suis pas très fan sans l'aide, parce que ce qui est bien c'est que ça se joue en 3 rounds. Mais ce que j'aime pas, c'est qu'on est vraiment, vraiment, vraiment dépendant des coéquipiers avec qui vous tombez. Donc si vous tombez avec des gens vraiment nuls ou des gens qui tuent et qui vont pas ramasser les items, bah malheureusement, vous avez très peu de chances de gagner. Mais j'aime bien le fait que ça se joue en 3 rounds. J'aime beaucoup. Et cette map, je la connais pas. Je connais pas cette map. Ah, je la connais pas. Ça fait beaucoup penser à Cyberpunk, hein. Vous avez vu l'univers? Elle est juste stylée, quoi. Vas-y, tu sais quoi, on va la tester, elle. On va la tester. Regarde, on dirait Cyberpunk. Waouh. Allez, vas-y. Mort. Faudra aller ramasser le truc, s'il vous plaît. Bien vu. Ah non, 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 il va ramasser. Oh là, il en a ramassé deux d'un coup, là, le salaud. Ah, lui, salaud, quoi. Waouh. Tu sais quoi, vas-y, moi aussi, je vais jouer tank, là. Allez, vas-y. Kingslayer.
Par contre 9 à 12 là on est en train de se prendre une misère là. Je sais pas viser. Non, je pense que c'est moi qui louche en fait. Je pense que je louche très clairement. On va partir avec choc. 14-13. Ouais, c'était sûr. C'était sûr. Oh, 19-16, ça va, on est passé devant. Ok, mort. Ce serait bien d'aller ramasser les items, s'il vous plaît. Ok, mort. Double kill. Ok, donc là du coup on gagne le premier round. Et du coup on va changer de côté en fait. On change pas de map, hein. On change de côté. En vrai je vais rester au sniper. Faudrait juste que mes mates ils assurent pour aller ramasser les cadavres. Reloading. 800 crack. Vas-y, monte ta tête. Oula, elle est pas passée loin celle-là. Oh là là, bah oui, c'était sûr. Allez, vas-y. On va se reprendre de la longueur. Ouh. Ok, mort. Faudrait aller ramasser les deux trucs là-bas. Non. Ok. Heureusement je l'ai vu passer sur la droite lui hein. C'est quoi, attends je vais lancer un truc de détection là. Ok, il y en a un qui est là. Mort. Et on a gagné. Let's go. Mais du coup je sais pas si je suis MVP. Je crois pas, j'ai pas fait énormément de kills. J'en ai fait mais pas assez pour être MVP hein. Ouais non. Ah là là, et du coup je suis deuxième quand même, je suis deuxième. Ça va. Ok, bon. T'as vrai le sniper, waouh. Alors c'est soit t'as un bon sniper en face et tu te fais des gommes, soit t'arrives à te démerder et c'est kiff kiff hein. Ouh le lolo. Regardez, en fait, du coup, j'augmente des bonus avec les armes avec lesquelles j'ai joué. C'est-à-dire qu'en fait, vous gagnez des XP aussi avec les armes que vous jouez. C'est-à-dire que là, je gagnais plus 28 de bonus avec le snipe. Ah, ça, je savais pas, ça. Ça, je savais pas, tu vois. Waouh. Le jeu, il est vraiment complet. Hein. Il est vraiment complet et moi, je kiffe ce genre de jeu. D'ailleurs il y a des jeux comme ça similaires qui vont potentiellement arriver au niveau du graphisme hein. Des jeux similaires, des gros jeux qui vont potentiellement arriver en 2021. Enfin c'est même sûr, ils sont actuellement en développement. Moi je les suis hein, les développements, parce que je suis sur les Discord en question. Voilà. Très clairement ce jeu je lui donne une note de 10 sur 10. Ils sont passés de ras la terre, tu vois, à un jeu qui avait fait un mini buzz. Donc tout le monde est venu dessus, tout le monde n'a pas aimé, tout le monde est barré. Ah là, un jeu qui peut concurrencer Call of Duty Mobile. Il faudrait juste qu'ils nous rajoutent le mode Battle Royale. Et là, je pense qu'ils ont une pépite. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent demander ce mode de jeu aux développeurs. Donc, s'ils regardent cette vidéo, on sait jamais, n'hésitez pas à rajouter le mode Battle Royale. Voilà. Donc, du coup, les petits potes, c'est la fin de cette vidéo découverte. J'espère que ce petit jeu Battle Prism vous plaît. Moi, en tout cas, il me plaît. Très clairement, il me plaît, c'est vraiment le style de jeu que j'adore, le TPS, le FPS,
N'hésitez pas à lâcher le meilleur like. N'hésitez pas à vous abonner pour pas louper les prochaines vidéos sur Battle Prism ou bien même les nouvelles vidéos découvertes. Sur ce, les petits potes, on se donne rendez-vous très prochainement pour une toute nouvelle vidéo et ou un nouveau live. C'était PsyTrag. Bye bye.